Contact Hawaiian 2J6024. 2J6024, contact 1218 Gray. 1218 Gray. Salut à tous et bienvenue sur Geek Gaming CH. C'est Boomer qui vous parle et j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, je me lance dans quelque chose de relativement nouveau pour moi, c'est la review de périphériques. Dans ce cas précis, nous allons tester le nouveau Throttle Quadron de Thrustmaster fait sous licence avec Airbus. Tortue CH a déjà fait une très belle review détaillée de ce Quadron, donc ici je ne referai pas la même chose, mais je vais plutôt parler de l'utilisation dans le simu de ce nouveau périphérique. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour aller voir la review faite par Tortue CH. Dans cette vidéo, nous testons le Quadron dans X-Plane 11 avec l'Airbus A321 de Tolis qui est l'un des seuls à ce jour à fonctionner dès la sortie avec son petit frère l'A319. Il y en a d'autres bien sûr, comme l'Airbus A320 de Flight Factor et la série d'Aerosoft sous P3D ou FSX, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne les ai pas encore essayés personnellement. Malheureusement, le Quadron n'est pas encore compatible avec Microsoft Flight Simulator 2020 à ce jour, mais cela devrait arriver dans les prochaines semaines avec la mise à jour du Simu. Philippine 4-3-3, Kansai, Baya. Kabanato November 884, Flight Plan Group 741. ADCPS Philippine 4-0-2, Kansai, Baya. Kabanato November 884, Flight Plan Group. Runway heading, mission 7000, and radar backpack. And the airway, X-Henry, 601, and Spot 15, Sub-10 India. Morning, Express 2601, are we today for the verify request on Friday, Bruce 3-8-0? FM, Bravo 3-8-0, and we will be ready in 5 minutes, and we turn on with 3-4 right, 45. Express 2601, Roger, we are the first race up for your departure on by Creator. Creator 2, Bangkok okay, Airport, we are PC1, departure on by Flight Name, Friday, Bruce 3-8-0. Parlons déjà un peu du prix. Il s'agit là d'un prix milieu de gamme aux alentours des 90 euros ou environ 100 francs suisses, tout dépend où vous l'achetez. Pour ce qui est de l'utilisation, une fois que le setup est fait dans le simu, rien de plus simple, cela fonctionne parfaitement. Vous pourrez donc gérer votre poussée, vos inverseurs de poussée et le démarrage des moteurs directement depuis cette petite merveille. La qualité d'exécution est bonne, un peu plastique à mon goût, mais pour le prix c'est franchement plus qu'acceptable. Le seul problème que j'ai rencontré était le réglage de la friction où j'ai malheureusement un peu forcé et ma friction n'est plus réglable. Donc faites attention et lisez bien le manuel. De mon côté, je l'ai fixé sur le clamp prévu par Thrustmaster et dans cette configuration, je ne vois vraiment aucun souci car il est bien attaché dessus et ne bouge pas. Sur un bureau, il pourrait effectivement bouger un peu si vous réglez la friction au maximum dû à sa légèreté, mais les petites gommes sous le quadrant sont tout de même très efficaces. 3-2. En ce qui concerne mon vol en A321 de Tolis, tout fonctionne superbement et on s'y croit vraiment. Même le crantage des différentes positions du Quadron, comme dans les vrais Airbus, est fonctionnel. Donc si vous êtes fan d'Airbus ou de liner en général, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi le configurer pour d'autres types de liner en suivant les instructions de Thrustmaster. Tout est prévu dans l'emballage pour en faire une manette de gaz tout à fait standard. Le
everybody, Oripone 2141, ready. Oripone 2141, touch out contact ground control, 121 Cessna Route 75. We are ready for push and start. Vietnam, Japan. Vietnam, Japan. Voilà, j'espère que ce petit test vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire plus de reviews dans le futur, et la prochaine sera probablement le Throttle Quadrant de Honeycomb, qui devrait arriver avant la fin de l'année, j'espère. Merci d'avoir regardé les amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Boomer out.